Alleluia. 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 Want to find you, oh Lord. Purify my soul and spirit. Where you are, I want to be. Let me find you in the secret place. Where you are, I want to be. I want to find you, oh Lord. Purify my soul and spirit. Where you are, I want to be. Let me find you in the secret place. Holy, holy, holy. You are so holy, Lord. Like you, where you are, I want to be in the secret place with you. Holy, 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 you are so holy, Lord. Make me more like you, where you are, I want to be. Secret place with you. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir. Comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, je suis l'évangéliste prophète Elochek ici. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle, une grande, une méga nouvelle. Nous aurons une conférence explosive, une conférence décisive, une conférence incroyable, une conférence qui, pour la plupart d'entre vous, sera bénéfique. Comme vous le savez, je suis là pour annoncer le Festival de la prière 2024 qui aura lieu en France. Nous avions eu le Revivalisme 2024. Les gens étaient tellement bénis qu'ils ont souhaité que je revienne. Et avec l'aide de Dieu, nous avons fini par trouver une date qui est le 7, le 8, le 9 et le 10 novembre 2024, c'est-à-dire dans très peu de temps. Alors, si vous voulez avoir votre délivrance, votre libération, votre déblocage, votre percée, le Festival de prière 2024 vous donne l'opportunité d'avoir cette délivrance. Lors du Revivalisme 2024, les gens étaient si bénis que certains partaient en pleurant. Ils ont dit, mes frères Eloch, tu reviens quand? Les gens ont vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la manifestation du Dieu des cieux. Et cette fois-ci, nous venons encore pour la puissance, la gloire et la manifestation du Dieu des cieux. Alors, la raison pour laquelle nous avons organisé le Festival des prières, c'est que, vous savez, au cours de la vie, nous rencontrons des choses. Nous vivons des choses, nous subissons des choses. Parfois, nous sommes victimes de sorcellerie, d'envoûtement, d'attaque et d'oppression. Nos rêves sont remplis de mauvaises images, de mauvaises choses. Or, toutes ces choses sont des envoûtements, des ensorcellements, des enchantements, parfois la magie et la sorcellerie. Tant que nous ne nous en débarrassons pas, ça nous suit. Or, nous savons que quand l'envoûtement suit une personne, elle ne parvient pas à accomplir sa destinée. Cependant qu'il y a des gens parmi vous qui me regardent, qui sont des élus, des appelés, des ministres, des hauts cadres, des gens appelés à visiter le monde, les pays du monde, à changer la vie des gens. Les gens qui portent en eux le fruit de la gloire, c'est-à-dire la puissance de Dieu, la mission de Dieu. Il y a des leaders parmi vous, il y a des appelés, des prophètes, des gens qui doivent réaliser des choses incroyables. Cependant, l'envoûtement les bloque, la sorcellerie les oppresse, les mauvais rêves, les démons s'acharnent contre eux parce que ces personnes portent en eux le potentiel qui va apporter la lumière dans ce monde. Comme les Écritures le disent, toute la création soupire et attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu comme vous qui portez en vous l'étoile que le Seigneur a voulu envoyer sur cette terre pour éclairer ceux qui sont perdus.
Or, nous savons que, à moins que ces envoûtements ne soient brisés, ces chaînes ne soient enlevées, ces barrières ne soient ôtées, il devient difficile d'avancer. Pour que Pharaon laisse partir Israël, il y a eu un combat. Et ne croyez pas que vos ennemis vont vous laisser partir sans combat. Pour que le peuple de Dieu puisse entrer dans la terre promise, il a fallu que la mer rouge soit divisée. Et encore, arrivé à la terre promise, c'est-à-dire à Jéricho, il fallait encore d'autres stratégies. Cela montre pourquoi beaucoup de gens sont parfois à la terre promise ou sont sur le chemin et sont encore en captivité mais ne savent pas comment se libérer. Le festival des prières 2024 vous donne l'opportunité de venir faire des prières puissantes, des prières à effet immédiat. Je n'ai pas besoin d'en parler trop. Vous avez déjà vécu les moments incroyables lors de nos conférences. Bien-aimés, vous voyez, pendant que vous êtes en train de m'écouter, peut-être qu'il y a une voix qui vous dit « Non, pas cette fois-ci ». Beaucoup de gens attendent le bon moment. Or, on m'a toujours enseigné que attendre le bon moment, c'est la meilleure façon d'échouer. Khalil Gibran, qui a existé dans les années 800, a dit ceci. « Hâtez-vous avec lenteur, mais ne soyez pas paresseux quand une opportunité se présente. Ainsi, vous éviterez de faire des erreurs regrettables. » Vous voyez, Khalil Gibran a raison, c'était un prophète. Il dit qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On peut se promener comme on veut, mais dès qu'une opportunité se présente, qu'on ne procrastine pas, qu'on ne soit pas paresseux, qu'on ne se dise pas que demain on va avoir une bonne opportunité. Aujourd'hui, il y a des gens qui croyaient avoir une bonne opportunité juste à ce que le coronavirus leur prouve que le lendemain n'est jamais sûr. Comme la parole de Dieu le dit, ne te vante pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'en vanter. Océan des grâces, avec la grâce de Dieu, avec la paix de Dieu, la puissance de Dieu, vient vous donner la possibilité de prier jusqu'à remporter la victoire. Le festival de prière 2024 vous offre cette possibilité. Je vous dis, venez avec vos familles, vos frères, invitez tout le monde. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper en vous disant, tu pourras avoir l'opportunité demain. Non, on n'est jamais sûr de ce qui peut arriver le lendemain. Alors, je vous invite à vous inscrire au www.océandesgrâces.com. L'inscription est gratuite et vous pouvez aussi prendre un rendez-vous. Et l'équipe d'Océan des Grâces, c'est-à-dire les guerriers, vont prier pour vous comme ça a été le cas cette année. Il y avait des gens qui, durant la conférence, ont été bénis, mais avaient besoin de prières supplémentaires. Alors, l'équipe de prières d'intercession a été préparée. Ce sont des gens consacrés, des gens formés, des gens prêts qui peuvent ordonner à un démon de sortir dans l'immédiat, il sort. Alors, Océan des Grâces vous donne l'opportunité d'avoir votre délivrance. Actuellement, le Seigneur est en train de vous tendre la main par cette conférence. Certainement, peut-être qu'il y a une petite voix qui vous dit, pas cette fois-ci, mais demain. Beaucoup ont été trompés comme ça. Mais ne laissez pas le diable vous voler l'opportunité d'avoir votre délivrance. Ne laissez pas non plus le Seigneur vous dire, j'ai envoyé mon serviteur, je l'ai préparé pour vous, je l'ai formé pour vous, je l'ai investi pour vous, mais vous n'avez pas saisi l'opportunité. Souvenez-vous de ce que j'ai dit, attendre le bon moment pour agir, c'est la meilleure façon d'échouer. Alors, le festival de la prière aura lieu à Champigny-sur-Marne, au Grand Salon de Paris. Champigny-sur-Marne, voilà comme cette année. Vous pouvez avoir de plus en plus d'informations en allant sur notre site internet. La date, c'est le 7, le 8, le 9 et le 10 novembre 2024, c'est-à-dire bientôt. Bien-aimés, c'est à vous que je parle, c'est à toi que je parle, enfant de Dieu. C'est à cette famille qui me regarde que je parle. Ne laissez pas l'ennemi vous voler votre opportunité. Réfléchissez une minute. Et si le Seigneur vous tendait une main, la main vous apportait une solution par cette conférence et que vous décidez de la rater, que diriez-vous demain? Beaucoup de gens croyaient voir le lendemain, juste à ce qu'ils sachent que la vie est imprévisible. Alors, pendant que vous me regardez, je m'adresse à vous. Venez, venez voir la puissance, la gloire et le royaume, la manifestation du Dieu des cieux. C'est une conférence des conférences. Ce qu'on appelle la méga conférence, le festival des festivals. Venez prier jusqu'à remporter la victoire. Pour terminer, je dirais, je ne sais pas ce que vous avez traversé cette année. Encore moins, ce que vous aviez vécu dans les années passées. Et peut-être que vous direz, frère, j'ai fait des années blanches. Je passe toute l'année en vivant les mêmes choses, les mêmes réalités, les mêmes histoires. Vous savez, parfois, faute de connaissances, on se sent obligé de répéter les mêmes histoires, les mêmes stratégies, même si elles ne fonctionnent pas. Et c'est comme ça que parfois on finit par se faire de faux espoirs. Mais je viens au festival de la prière avec une nouvelle stratégie de prière, la puissance, l'onction et le pouvoir de Dieu. Je vous invite à ne pas manquer cette conférence.
Inscrivez-vous au www.océandegrâce.com. Cliquez sur l'onglet conférences gratuites. Et remplissez bien le formulaire. Surtout si vous avez envie d'avoir un rendez-vous avec moi et mon équipe, inscrivez-vous et cochez le bouton rendez-vous. Réservez sa place. Alors, la conférence est gratuite. Venez avoir votre délivrance. Je viens bientôt, mais n'attendez pas qu'il soit trop tard pour demander une seconde chance alors que tout est perdu d'avance. Que le Seigneur vous bénisse. Le numéro de téléphone pour plus d'informations, c'est le +1 438 995 4109. Je reprends. +1 438 995 4109. Bien aimé, je te donne le temps de me noter. +1 438 995 4109. C'était l'évangéliste prophète Elogique ici, dans le cadre du festival des prières qui aura lieu bientôt. N'attendez pas. Allez maintenant sur notre site. Maintenant, c'est maintenant ou jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Merci.